Salut à tous, bienvenue à Laval aujourd'hui au cœur de la Mayenne pour un nouvel épisode. On va bosser pour Vinci Facilities dont la mission principale est de s'occuper des bâtiments, de leurs occupants et de l'environnement. Et on va découvrir ensemble aujourd'hui le job de Stéphane qui est technicien de maintenance. Salut Stéphane. Check. Check. Alors tu m'emmènes où, dis-moi? Eh bien je t'emmène sur mon lieu de travail, un site industriel situé à Laval où je suis technicien de maintenance. Ah bah écoute, j'ai hâte de découvrir ton job. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Allez. Bon alors explique-moi, toi tu es technicien de maintenance ici, c'est oui. Ça? Qu'est-ce que tu fais au quotidien, dis-moi? Beaucoup de préventif, service incendie, et puis tout ce qui est électricité, CVC, climatisation, chauffage, ventilation, et puis déplacement de bureaux, aménagement. Ah et donc tu règles, tu dépannes? Voilà. Dans tout ce bâtiment? Tout le bâtiment. Combien d'occupants ici? Environ 350. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ce job toi? Ici 2 ans. Et avant, t'étais où? Et avant j'étais dans l'industrie. Ok. En maintenance aussi. Ah donc c'est ton atelier ici? Ouais, c'est l'atelier machine-outil. Qu'est-ce qu'on va faire ici Stéphane? Donc là on va venir câbler un boîtier Canalys avec un disjoncteur et un vigie. Et t'as appris ça où toi, tous ces gestes, métiers? En formation et ouais. Lors de diverses opérations sur différents sites. Ok. Bon alors là je fais quoi du coup? Explique-moi. Donc là tu vas venir câbler ta phase sur le disjoncteur. Ok. Et ensuite bien serré. Ok. Qu'est-ce qui te plaît, toi, Stéphane, dans ton job au quotidien? Tous les jours, on découvre des nouvelles choses, on apprend. Et moi, c'est ce qui me motive tous les jours, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Et qu'est-ce qui te plaît chez Vinci Facilities? Le côté humain. Vous êtes combien dans l'équipe, dis-moi? On est 10. Mais 10 techniciens? Non, 2 techniciens. Donc, chaque technicien a un apprenti. Ah, t'es tuteur, t'es formateur? Je suis tuteur, ouais. Ok. Un apprenti. C'est quoi le plus compliqué dans ton job, tu penses? Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, c'est vrai? Bah. Tout est faisable, quoi. Je veux dire, j'ai jamais trouvé les choses compliquées. On apprend quand on ne sait pas, et puis voilà. Il faut être curieux, quoi. Ouais, je suis curieux de nature. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, mais justement, chez Vinci, on peut avoir accès à beaucoup de formations. D'accord. Donc, quand tu demandes une formation, généralement, tu as ta formation. C'est là que tu acquiers des nouvelles compétences. Bon, Jerry, là, on nous a demandé de fixer un bras. D'accord. Pour un écran. Donc, tu aménages aussi les bureaux, toi? Exactement. Bah, génial. Allez, c'est parti. Donc toi, tu réponds aux demandes des occupants, c'est ça? Tout à fait. On a une application et à la demande du client, on fait les travaux. On essaye d'être le plus réactif possible. Ok. Pour satisfaire le client au mieux. Donc, c'est une application... Ah, sur ton smartphone directement? Sur notre smartphone professionnel. Okay. Donc tu as toutes tes missions qui sont notées, c'est ça? Voilà. Avec toutes les demandes clients. Et alors, voilà. Prochaine intervention, je vois... Un contrôle réglementaire au niveau du sprinklage à la station de pompage. Eh ben allez, on va aller contrôler tout ça. C'est parti. Là, tu m'emmènes à la cave, là. Eh oui, en sous-sol. Donc ici, on a la station de pompage. Donc je viens ici une fois par semaine pour faire les tests des moteurs diesel. D'accord. Donc c'est un système qui nous permet, en cas d'incendie, d'arroser une partie du site. Ah, ouais. Donc en extinction. Tu dois t'assurer de la sécurité du site. Voilà. Donc si je comprends bien, Stéphane, ton job, c'est de t'assurer que le site industriel il soit toujours opérationnel, c'est ça? Tout à fait. Tu dirais qu'il faut quelle qualité pour faire ton job, Stéphane? Il faut être curieux, ouais. Dynamique, okay. Puis à l'écoute du client. Réactif aussi. Réactif. Tu as le sens du service, toi? Tout à fait, il faut. Pays de la Loire, mais on recrute aussi dans tout l'Ouest. Diagnostiquer, pour trouver la panne et ensuite réparer. Bac pro, BTS et plus. Semaine et de temps en temps des astreintes le week-end. Bon Stéphane, merci beaucoup pour la découverte de ton job. De rien et merci pour ton aide. Eh ben je t'en prie, tu m'embauches? Je t'embauche. C'est vrai? Bon, tu me formeras un peu. Hein. Pas de problème. Beaucoup même. Et si vous aussi, vous voulez bosser ici, n'hésitez pas. Ils recrutent chez Vinci Facilities, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode à Brest avec un de tes collègues. Avec un de mes collègues. Pour la découverte d'un autre job. Et n'oubliez pas Stéphane, likez la vidéo et abonnez-vous.